Viva! Bonjour Mickey Sartor, ce soir pour le débrief, je vais pas te le faire trop fort. Pas parce que je suis dégoûté de la défaite, même si je suis un peu dégoûté un peu, mais parce qu'il y a des gens qui font dodo à côté, t'as vu. Respecte un peu quand même, même si j'ai envie de tout casser. Et hein, tu vois, c'est... de la niquer la porte de placard. Non mais là, voilà. Et je vais te faire un débrief, pas comme les autres. Je vais pas te parler du match, et je m'en bats les couilles. On a perdu... Voilà, c'est surtout un constat que je vais te faire. Comment tu es capable de perdre 24 points tout au long de la saison et il te reste encore deux matchs à jouer, tu peux perdre 24 points en menant au score. C'est pas possible avec les ambitions que tu as cette saison, c'est-à-dire de rejouer l'Europa League. À un moment donné, il faut te réveiller, tu vois. Comment tu t'obstines chez Favre, à faire jouer encore Marlon en défense centrale qui a été catastrophique, alors que Sarr assure beaucoup plus. C'est pas possible non plus, tu vois. Comment tu as Lesmelou, qui a fait quand même une bonne saison sur l'ensemble, hein, comment ce soir, il a été capable de faire un non-match. Alors j'ai envie de te dire, fais un peu moins de danse Fortnite, joue un peu moins à Fortnite et concentre-toi plus à l'entraînement et au match. Et pour revenir à quoi aussi? Revenir aux dirigeants, River, Fournier, les actionnaires chinois, américanos, tranche de camp. C'est quand que le pognon, tu vas le lâcher? Non, parce que, à un moment donné, tu arrives tout bouffeur de nem que tu es, avec du pognon qui sort de partout, mais tu n'es pas capable d'acheter des joueurs derrière. Alors le mercato estival qui arrive, moi j'ai bien envie de rigoler, parce que je sens qu'on va encore se taper des chèvres. Hein, parce que habituellement c'est les Marseillais les chèvres, mais là cette année ça va être nous. Hein, voilà, alors très rapidement, je vais revenir au match. Le match il commence mal quand même. Avec une perte de ballon, hein, où ça entraîne une occasion marseillaise, une mauvaise relance de Benitez où ça entraîne une occasion marseillaise encore, et derrière quand même on se rattrape, avec Mario Balotelli qui ouvre le score, Mario Balotelli qui a été très bon sur ce match. Et après derrière, qu'est-ce que c'était? Derrière tout le long, on a été dominé en première mi-temps, on n'a pas été capable de faire le jeu, on n'a pas été capable de réélever le niveau de jeu, hein. Alors, à se demander qui c'est qui a joué pendant 90 minutes de match, plus 30 minutes de prolongation, jeudi soir. C'était les Marseillais ou c'était nous? Parce que j'avais l'impression que les Marseillais, ils étaient quand même plus en jambes que nous. À un moment donné, tu sais pas qui c'est qui a fait la demi-finale d'Europa League, jeudi dernier. Hein? Et pour en revenir aussi, parce que j'ai pas entendu, j'ai regardé le match dans un bar, donc j'ai pas entendu les commentaires. Hein, Stéphane Guy, pour en revenir à Stéphane Guy, Stéphane Guy, ouais, non, parce que j'en ai gros sur la patate avec ce mec, parce qu'en part encore, il a sucé apparemment les Marseillais. Non, mais tu es pour qui, toi, en vrai? Parce que quand tu es pour Paris, parce qu'on le sait que tu es pour Paris, quand tu es à Paris, les matchs de Paris, tu dois avoir une statue de Neymar avec les boules qui ressortent en bronze, que tu lèches tous les soirs avant d'aller te coucher, et après tu supportes Marseille, et après tu supportes Nantes, et quand tu vas t'arrêter, sérieux, sans déconner, arrête de commenter les matchs sur Canal+, et va un peu voir ailleurs si j'y suis, non, va faire un peu des faux pas rêver, des caches investigations, des 90 minutes enquête, mais arrête de nous casser les couilles, parce que sur ces émissions-là, avec Paris et Marseille, il y en a pas mal des émissions comme ça, tu vois. Et là, tu pourras te régaler, tu pourras sucer tout ce que tu veux sucer. Mais à un moment donné, arrête de nous casser les couilles. C'est bon. Et pour revenir sur le match, deuxième mi-temps, et hein, ça repart bien avec un Balotelli en cours qui attaque, début de mi-temps, avec une frappe arrêtée de justesse par Mandanda.
Et après, ça repart toujours pareil. On a réussi à élever le niveau de jeu, mais sans plus au final. Sans plus. Il n'y a pas eu de débordement de Saint-Maximin qui était complètement pressé par les défenseurs. Tu n'as pas eu d'exploit individuel. Tu n'as rien eu. Tu n'as rien fait. Et tu prétends jouer l'Europe l'année prochaine. Mais putain, avec Nantes et Montpellier qui ont fait match nul, Rennes qui gagne et Saint-Étienne qui perd. Tu n'as pas le droit de faire un mauvais résultat contre Marseille, parce que là, ce soir, c'est un très mauvais résultat. Et honnêtement, honnêtement, je te le dis, l'année prochaine, l'Europe, on la fait pas. Parce que contre Caen, si on joue comme contre Strasbourg, et si Lyon, ils nous explosent parce qu'ils sont en ce moment au top, je te le dis maintenant, je me coupe une couille en direct sur un débrief si on se qualifie pour l'Europa League l'année prochaine. Voilà, je te le dis. Parce que 5e, 6e place européenne, ok. 7e place européenne, si Marseille gagne Madrid, autant te dire, j'ai rien contre les Marseillais, mais c'est quand même une autre dimension, l'Atlético de Madrid. Et si le PSG bat les Herbiers, alors là, si le PSG bat pas les Herbiers, j'ai envie de te dire, je me coupe la deuxième couille en direct sur le débrief. Comme ça, tu seras content, tu auras vu deux couilles coupées sur un débrief. Tu vois, là, je vais faire le bad buzz. Tu vois, à mon insu, je vais le faire. Bah sur ce, il n'y a rien à dire sur ce match. Il n'y a pas eu de top. Il n'y a eu que des flops. À un moment donné, fais ton jugement, fais ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Mais ce soir, le match, il y a encore non-match. Voilà. Donc sur ce, je te propose de nous revoir au prochain débrief contre Caen. Et hein, je te propose de donner ton pronostic. Si ton pronostic est bon, eh ben, tu seras mentionné dans la prochaine vidéo de débrief. Autant dire, donne une défaite parce que parti comme c'est parti, on ne jouera pas l'Europa League et on va mal finir la saison, tu vois. Et à un moment donné, je m'en bats les couilles, je vais me faire clasher, oui, tu n'es pas un vrai supporter, et dès que ça perd, machin, non. Regarde tous mes débriefs, j'ai toujours soutenu l'OGC Nice. À un moment donné, il faut faire un constat réel et clair. En ce moment, il me gonfle. Mais sur ce, ciao, viva la baïette, hein. Et ici, Anissa.